Oups là, en effet. Désolée pour le son. Donc je disais bonsoir à tous et à toutes. J'avais pas prévu ça. Petit résumé très vite. On va faire un rapide résumé de l'autre soir. Et on va faire aussi on va retoucher un petit peu l'objet qu'on avait fait pour Elder Titan. Parce que les masques ont déconné en fait avec la normale map de l'autre soir. Et enfin ils n'ont pas déconné, c'est juste qu'ils étaient mal réglés. Vous allez maintenant, enfin vous allez voir quelles étaient vraiment les influences des masques dans le jeu. Qu'est-ce qui a fait que c'était pas si joli que ça au final. Donc je vais vous montrer tout ça vite fait. Donc on est parti. Hop. Donc, la première chose que j'ai fait, comme vous pouvez le remarquer, le squelette a changé. J'ai ramené un autre squelette du personnage. Parce qu'en gros, dans l'autre fichier de 3DS Max que je vous ai montré tout à l'heure, enfin la semaine dernière, pardon, les objets, ils étaient un peu plus jolis déjà, et ils n'étaient pas buggés comme ça, qui partaient un petit peu à droite à gauche. Tout simplement parce que c'est le fichier FBX, qui est un autre format de fichier que j'ai importé dans le jeu. Et je vous ai raconté la semaine dernière, que le fichier FBX a des problèmes de taille quand on l'amène après dans le jeu, qui a fait que j'ai dû dupliquer je ne sais combien de fois la taille de l'objet pour que ce soit la bonne taille. Donc pour éviter tout ça, j'ai juste chargé une ancienne version de 3DS Max 2010 pour pouvoir utiliser le plugin de Valve qui me permet d'importer leur format de fichier. C'est le format SMD. Voilà. Donc j'ai utilisé l'ancienne version de 3DS Max pour pouvoir l'importer, tout simplement parce que les nouvelles versions de 3DS Max ne supportent pas le plugin. Et ils l'ont pas mis à jour, donc forcément, ça aide pas beaucoup. Donc j'ai amené le squelette, tout simplement, je l'ai re-sauvegardé, puis après je l'ai réouvert dans 3DS Max 2013. Et j'ai remis l'arme au bon endroit. J'ai un petit peu changé la texture, j'ai pas fait grand chose de différent, je vais vous montrer juste après ce que j'ai fait. Il y a un petit détail aussi que j'ai oublié de faire, que je viens juste de remarquer là maintenant, qu'on va faire, et puis après on va retester dans le jeu. Et sinon, voilà, après j'ai à peine retouché la version Opoly pour qu'il y ait un tout petit peu plus de détails, mais sans plus. Et voilà, je l'ai replacé, je l'ai skinné. Avant de faire un skin, il faut faire un reset X-Form et placer aussi le pivot au centre. C'est très 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 important. Enfin, placer le pivot avant et reset X-Form après. Et après, on peut faire le skinning pour le lier à l'os. Sinon, il va bugger, il va redevenir tout petit, ou alors il va se casser à droite à gauche. On sait pas pourquoi, c'est comme ça, c'est les programmes. Donc, on va tout simplement faire le truc que j'ai oublié, qui est... Quand on retourne de l'edit poly, on sélectionne les faces et on remarque un petit panneau là. Je peux pas zoomer ici, hein, je suis désolée. Mais on remarque là. C'est bon, c'est fini de bugger. Très bien. Je ne sais pas ce qui se passe, pas du tout. Je sais pas si ça vient de moi ou si ça vient de la gaming live. On verra bien. Donc je continue. Donc je disais, sur cette fenêtre, il y a des petites cases là-haut, bon, maintenant elles ne le sont plus, attendez, hop, voilà. Elles sont vides, et après il y a d'autres chiffres. Ces cases, ça s'appelle des polygroupes, ou des smoothing groups, au choix. Le principe des polygroupes, et des smoothing groups, c'est de donner un peu l'illusion que c'est lissé, alors qu'en fait ça l'est pas du tout, mais c'est que pour le programme de 3D. Cependant, dans Dota, il y a une petite influence. Des fois, il y a des petits bugs, on a l'impression que c'est tranché, mais en fait, pas du tout. C'est juste le smoothing group qui est là. Ok. Donc, ça, c'est tout bon. Ensuite, il faut qu'on clean tous les polygroupes et qu'on
soit on les réunit tous, ce qui fait que ça va donner un effet arrondi, soit on accentue l'effet d'angle en faisant des polygroupes séparés. Comme par exemple, là on peut accentuer l'effet d'angle ici en donnant un autre groupe différent de celui-ci à ces faces-là. Par exemple. Donc on va très bien voir l'illusion sur le sur Max. Quoique avec votre angle, on va peut-être pas. Ouais. On voit pas avec la texture en fait. Mais bon, c'est pas bien grave, ça se voit surtout avec les effets de lumière. Mais ça a de l'influence dans le jeu, c'est intéressant de le faire. Par exemple ici, hop, on va prendre. Je vais y arriver. Toutes les phases. Faces, pardon. Ici. Hop. Voilà. On va mettre un autre polygroupe. Etc. Bon, ça en dessous, on va laisser un petit peu arrondi. Donc voilà, ça va en quelque sorte donner l'illusion que c'est lissé suivant le polygroupe que vous faites. Voilà. Donc ça, c'est un tout petit détail de rien du tout, mais des fois, ça influence pas mal dans le jeu. Hein. Ça arrive que ça influence. Sinon, bon, la petite correction est faite. Je vais vous montrer un peu le travail que j'ai fait, alors très rapide, hein, parce qu'il n'y avait pas eu grand-chose à faire, sur le... comment ça s'appelle ? Sur... je vais y arriver, c'est la fatigue. Sur la texture et les masques. Voilà. J'y arrive. Alors, on est parti. Donc, niveau des masques. Hop. Niveau de la texture, déjà, j'ai simplement un peu assombri l'arme. Elle était beaucoup trop claire, ça faisait vraiment jouer en plastique. Donc, voilà, c'était pas du tout joli. Donc, je l'ai assombri. Niveau des masques, lui, je l'ai pas touché. Le masque 1, donc on l'enlève. Le masque 2, je l'ai retouché juste au niveau de ce Chan là. Ce Chan, en fait, il a, entre guillemets, cassé l'effet de volume sur tout l'objet parce que il a donné un effet de. De reflet de lumière. Donc un peu comme un miroir. Mais il l'a tellement fait de partout qu'on n'avait plus aucune notion de volume sur l'objet. C'était assez étrange. Donc, je l'ai éclairci. À la base, il était plus de cette couleur-là. Et je l'ai éclairci pour qu'il n'y ait plus du tout cette influence de réflexion de lumière dessus. Voilà, tout simplement. C'est le seul truc que j'ai changé sur ce masque, et ça a fait une énorme différence. J'ai changé un petit truc sur la normal map. C'est le Channel Green. Channel Green, c'est celui qui donne l'illusion de volume de manière verticale. Donc lui, j'ai dû l'inverser, parce que dans c'est assez compliqué à expliquer, mais dans X normal, il inverse le chan automatiquement, alors qu'il faut pas, parce que sinon ça donne l'illusion de volume dans l'autre sens. Pourquoi il fait ça? Bah en fait parce que dans ZBrush, normalement, il fait ça dans l'autre sens, il ne l'inverse pas. Et suivant dans quel programme on va, par exemple si on veut voir un objet dans ZBrush avec une normal map, et bah si on veut que la normal map soit bonne, ce channel là faut pas le changer. Mais si on veut le voir dans 3D Max ou dans un autre moteur de jeu, même n'importe quel autre moteur de jeu, il se peut très bien que ça fasse ça aussi dans des Unity comme moteur de jeu ou Unreal. Lui il interprète la map de ce channel dans l'autre sens. C'est juste mal foutu. C'est les programmes qui sont comme ça. ZBrush, il se dit que ça va dans ce sens-là, alors il met comme ça, alors qu'en fait, dans les autres programmes, ça va pas dans ce sens-là. J'ai pas été sans doute très très clair pour vous, mais c'est vraiment compliqué à expliquer comme ça. Mais c'est juste une histoire d'illusion. Pour l'inverser, j'ai fait juste un CTRL-I, et ça a inversé en quelque sorte. Voilà. Tout simplement. Donc. Voilà, ça c'était le seul détail, je l'enregistre pas étant donné que j'ai déjà fait. Et ça c'est fait. Voilà. Donc, ce que j'ai fait aussi. Alors, si j'y arrive. Voilà. Je suis allée
Lancer marmoset. Alors, bon, prenez pas en compte l'image de fond. Lancer marmoset parce que c'est. Attendez, je vais mettre Steam en offline pour éviter qu'on embête. Voilà. Si vous voulez me parler, vous me parlez dans le chat, il n'y a aucun problème. Et je viendrai vous voir. Que j'ai pas fait d'ailleurs. Encore le truc. Donc, c'est. Tu n'as pas d'objet derrière toi cette semaine. Oui, oui, c'est vrai qu'à un moment j'ai fait les objets derrière moi et j'avais pas mis d'objet. J'ai un petit peu zappé ces derniers temps, faut dire que j'ai un petit peu la pression en ce moment au niveau du travail et désolé, j'ai un peu zappé ça. Je vous montrerai une peluche d'OTA après si vous voulez. Sinon, il y a une personne qui m'a demandé donc par Wisp si c'était une licence. J'ai la licence de. Enfin, j'ai pas des licences, des vraies licences, j'ai les licences étudiants qui sont fournies par mon école. Marmoset aussi a été fourni par l'école, donc lui il bug un petit peu, il me dit que c'est la version d'essai qui est expirée alors qu'il marche quand même, il est complètement bugué. Mais bon, il marche et de toute manière je suis quand même réglo là-dessus. Voilà. Donc, j'ai ramené l'objet dans cet espace, donc prenez pas compte bien sûr de l'image de fond, pour tester l'objet avec le moteur de Dota. Parce que ce qui est bien, c'est que Marmoset 2, pas le 1, mais le 2, il peut simuler le moteur de Dota. Comme vous pouvez le voir ici, il y a écrit Dota Color, etc. Et ça, je peux le changer. À la base, c'est Albedo Map. Voilà. Donc je peux lui dire de simuler le moteur de Dota et ainsi tester mon objet là-dedans. C'est plus efficace dans le sens où bah j'ai pas besoin d'importer mon objet dans Dota pour voir de quelle gueule il a et puis après, etc. Et refaire des tours et des tours et des tours. Ce qui est très pénible. Ce qui est sympa aussi avec Marmoset, c'est que vu que ça a une très bonne qualité, qu'on peut zoomer, qu'on peut mettre nos textures de très 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 haute qualité dessus. Parce que dans Dota, les qualités de texture elles sont réduites, étant donné que c'est un jeu vidéo, bah ça nous permet aussi de faire des images de présentation. Donc là par exemple, je vais faire l'image de présentation de mon arme, et bah hop, je vais mettre un bel angle, une petite lumière par-ci, une petite lumière par-là, je vais le faire tourner un petit peu comme ça, voilà, et puis hop, je prends un screenshot, après je l'envoie dans Photoshop et je le retouche. Voilà, tout simplement. Donc voilà, y a pas de problème. Voilà, sinon. Tout ça, c'est tout bon. Est-ce qu'il y a des objets. Pardon. Des questions particulières, vous n'hésitez pas. Je regarde vite fait. Merci pour avoir relink les liens vers mes sets, c'est super. Donc ça, c'est tout bon. Ok. Maintenant que l'objet. Enfin, je vous ai fait un petit peu découvrir Marmoset. Je vais vous faire maintenant bah, voir un peu plus le résultat dans le jeu. Sachant une petite chose, un tout petit détail de rien du tout, c'est que Marmoset ne simule pas les effets de détail map, que ça s'appelle. C'est par exemple sur Elder Titan, c'était les espèces d'effets de rayon sur l'arme ou sur son truc dans le dos. Ça, il ne le fait pas, parce que c'est des fichiers du jeu propres, donc il sait pas du tout comment faire. Mais voilà, déjà il y a déjà le moteur de base, c'est ce qui est déjà très bien. Comme ça, on peut tester tous les objets, etc. Enfin, tous les masques et tout ça. Voilà. Donc, je vais vite fait dans Dota. Hop. Et on va tester ça. Après ça, je pense qu'on va passer un petit moment là-dessus tranquillement. Vous expliquer un petit peu pardon, les détails. Et voir aussi. Bah, si. Non, non, parce qu'on va peut-être pas faire tout de suite l'image de présentation ni poster. Je vais attendre de voir un petit peu si je peux peaufiner l'objet, si vraiment il vaut le coup d'être posté ou pas. Et puis voilà, donc je préfère attendre un peu. Si vous voulez absolument faire le post de l'objet en live, bon, on le fera en live si vous y tenez vraiment. C'est pas un problème, mais je pense pas ce soir, parce que j'aimerais vraiment retravailler l'objet si on le poste vraiment. Voilà. Donc. Voyons voir. J'ai un petit peu malade aujourd'hui, donc désolé pour le cassage d'horaire.
Donc, comme vous pouvez voir, l'arme est beaucoup plus jolie par rapport à l'autre fois. L'autre fois, elle ressemblait vraiment à rien. Donc, hop, ça c'est tout bon. Donc, voilà, c'est l'effet de plasma là, dont je vous parlais tout à l'heure pour l'effet dans Marmoset qui ne peut pas être fait. Voilà. Donc on peut voir ce que ça donne. Bon, bah le résultat est plutôt bon, hein, mine de rien. Faudrait peut-être un peu plus éclaircir au niveau des runes, mais voilà, sinon, l'essai est plutôt pas mal. Est-ce que je teste... Bon, allez, je vais tester de lancer dans le jeu. Vous pouvez voir... Bon, alors, la vue de portrait est toujours buggée. Ne vous en faites pas, c'est buggé depuis un certain moment dans Dota, je sais pas pourquoi. Là, on peut voir donc avec les autres boutons les vues qu'on peut avoir, donc de jour, de nuit, etc. Et avec ce dernier bouton, on pourra tester en jeu. Ce que je voulais vous montrer également, donc bon, bah, y a des petits gadgets cachés, machin, cachés lui, etc. On peut ajouter les autres objets, comme ça on voit le set entier. Et on peut également bah, lui faire faire une animation. Donc par exemple, bah, là il marche. Voilà. Donc voilà, il marche. Donc ainsi, on peut voir bah, si par exemple on va refaire sa tresse, et bah, si elle bug ou ce genre de choses. Ainsi, c'est beaucoup plus facile pour nous, animateurs et créateurs du workshop. On peut également stopper l'animation et puis la gérer nous-mêmes. Voilà. Et ainsi, on peut voir exactement bah, s'il y a un problème, si ça bug, etc. Et je pense que oui, que Valve fait exactement la même chose pour voir si les objets sont postables ou pas, si ça bug pas trop, etc. Voilà. Donc bon, il y a plein d'autres trucs, hein. Il y a le spawn, il y a la mort, voilà, tout simplement. Enfin bref, il y a plein de trucs. Le portrait, attaque, blessé, etc. Un truc bon à savoir, c'est qu'il y a énormément de doses d'animation qui sont très buggy. Hein. Je vous en avais parlé sur Shadow Demon, c'est arrivé aussi sur Tiny, il avait la cheville droite totalement retournée, je ne sais pas pourquoi. Donc au final, nous-mêmes on doit improviser pour enlever le bug, sinon ils sont pas contents, ils disent ouais mais il y a un bug, faut l'enlever. Enfin bref, ah, pourquoi j'ai cancel. Donc voilà, on va aller tester en jeu. Donc, je lance le jeu. Je vais regarder en même temps s'il y a des questions entre temps. Hop. Alors il y avait une question tout à l'heure, on peut venir t'embêter pour savoir si ça vient d'un logiciel craquer tes objets. Je pense qu'ils ont aucun moyen de savoir que ça vient d'un logiciel craqué. Parce que c'est un format et en soi, il n'y a pas de marque dedans comme quoi c'est craqué. Je pense pas, hein, du moins. Après, je pense que Dota, eux-mêmes, ils s'en fichent. Voilà. Je pense qu'ils s'en fichent totalement. Alors, on a un jeu qui bug, c'est clair, mais il reste en partie. Ok, c'est la version LOD 1 qui est restée en bas. Alors sans doute parce que j'ai oublié de la lier à la main, tout simplement. Donc là, je peux parfaitement vous montrer qu'est-ce que c'est LOD 1, qu'est-ce que c'est LOD 0. Et bien LOD 1, c'est cet affichage-là. Et LOD 0, c'est cet affichage-là en portrait, etc. Oula, je rame beaucoup. Mais ça va peut-être aussi à cause de la neige. Mais voilà, donc LOD 0, c'est vraiment pour tout ce qui est du portrait. Quand on sélectionne son héros aussi, c'est le LOD 0, etc. Comme ça, on peut pas bien voir son personnage et tout. Par contre, quand on est en jeu, et bah, hop, c'est LOD 1 qui prend le relais. Ainsi, ça évitera aux gens qui ont un PC un petit peu en bois à faire tout notre jeu sans problème. Quoi. Enfin, ils pourront faire tout notre jeu sans problème. Malgré les nouveaux trucs de fait. Voilà. Donc bon, ça c'est un léger petit bug à faire, à régler soi-même. Donc, on va déco. Ici, hop. Donc, ce qui est bête, c'est que ils avaient mis un bouton pour tester le LOD1 qu'on pouvait afficher.
et ils l'ont enlevé. Et je le retrouve plus du tout. Ce qui est très dommage en soi, parce que ainsi on pouvait voir s'il y avait les bugs et ça nous évitait à chaque fois de relancer le jeu, etc. Mais là, ils l'ont enlevé, il est plus du tout. Je ne sais pas pourquoi. C'est dommage. Enfin bon, parce que là, ils gardent le LOD 0. Hein. Eux, ils le changent pas ici. Ah, par contre là, voilà. Voilà. Il est là, le bouton. Mais ils l'ont laissé normal ici. Non, c'est bon. Je l'ai pas eu, tout simplement. C'est la fatigue. Donc... Voilà, donc on voit très bien la différence d'affichage. Là, c'est le LOD 1. Le personnage entier change, il y a tout qui change. Hein. C'est juste que, bah... C'est tellement petit, le changement, qu'on ne remarque pas. Dans le jeu. Voilà. Ouais, on peut voir aussi que la tauge, par exemple, là, elle est jolie. Et là, elle est transparente. Parce qu'il n'y a qu'une seule face dans un sens. Donc, les faces, bah, on les voit que dans un sens, pas dans l'autre. Bah voilà. Et quand on... est en haute résolution, bah là ils sont même pas embêtés à faire des vrais polis derrière, ils ont juste fait une petite épaisseur pour le trou et les côtés quoi, c'est tout. Là aussi c'est pareil derrière, on peut le voir là. Voilà. Et maintenant vous allez plus voir les héros de la même façon, vous allez vous dire ah mais ils ont des trous partout en fait, ils sont mal foutus. Donc voilà. Ouais, sinon, je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Je pense qu'on peut quitter Dota. Hop. Voilà. Donc, on va commencer la Templar Assassin. Enfin, l'arme de la Templar Assassin. On va faire du croquis tous ensemble. Ce que je vais vous proposer à tous et à toutes... de faire des recherches aussi un petit peu en parallèle, voir bah, qu'est-ce qui te plairait pour faire une arme pour Templar Assassin. On va déjà regarder un petit peu les polys qu'elle a. Elle a 700 polygones, ce qui est plutôt pas mal. 600 low poly, c'est plus que Elder Titan. Ça veut pas dire qu'on peut faire plus gros. Mais attention, hein, nuance. Nuance, parce que... Le nombre de polygones ne varie que en fonction de la forme, la complexité de la forme. S'il y a des courbes, il y aura plus de polygones. S'il y a moins de courbes, il y aura moins de polygones. Vous l'avez bien vu hein, quand j'ai créé l'arme. Donc, eh bien, pour la première chose à faire, quand on va faire un objet pour un héros, c'est aller chercher dans le workshop qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui n'est pas accepté. Et voir, enfin pas accepté, mais pas encore peut-être accepté, mais voir un petit peu bah, les goûts de Valve, les goûts des gens, ce qu'ils ont voté, etc. Voilà, donc on regarde vite fait, bon bah ça reste assez simple en soi, il y en a qui essaient de faire des plugies, pourquoi pas. Je sais qu'il y a une plugie qui est passée, bon alors on évite voilà ce genre de choses. Je filtrerai par arme, ça sera mieux. T'en penses quoi du chest Dota Cinema avec le sort avec des sorts custom? Bah franchement, je vais aller regarder vite fait. J'ai un petit peu voté hein, pour ça. Parce que je me suis dit c'est pas mal. Celui de Tide, je trouve que le changement en soi n'est. Il est là. Mais.. Ça reste toujours la même chose, donc le changement n'est pas si énorme que ça. Ce que je trouve un tout petit peu dommage, en soi. Donc j'ai pas vraiment voté pour. En ce qui concerne celui de Enigma, il est sympa, mais je sais pas, c'est... J'arrive pas à accrocher. En fait, c'est surtout ce grand truc orange vertical au milieu que je trouve très mal fait. C'est ça qui fait que j'arrive pas à accrocher. Bon après je dis que c'est mal fait mais je saurais pas faire mieux hein. Je sais pas encore faire des particules, je commence un petit peu à m'y intéresser mais voilà, c'est assez sans plus. Le bateau de Kunkka, je l'ai trouvé vraiment sympa. Franchement je l'aime bien, il change pas mal avec des formes, bon les formes un petit peu pointues, pourquoi pas. Moi je trouve ça cool donc j'ai voté pour. Sinon, alors le truc de Veno, j'ai vraiment pas trouvé ça terrible. À la limite, le petit effet avant est sympa, mais voilà, j'ai vraiment pas aimé. J'ai une vote. Et celui de... Je crois qu'il est où?
Il est là. Celui de Queen, j'avais bien aimé celui-là. Je trouvais ça très sympa. Enfin voilà, c'est. Après, c'est mon avis. C'est pas spécialement le vôtre. Ce que je comprends tout à fait. Chacun ses goûts. Donc. Sinon. Je me trompe de héros. Non, non, je me trompe pas de héros. On avait vu pour. Enfin, Templar Assassin, excusez-moi. Fantôme Assassin. Je me trompe toujours. Je dis toujours Templar. Pour celle-là. Je sais pas pourquoi. Mais c'est Fantôme Assassin que je dis. Je vais sans doute le redire encore plusieurs fois, Templar Assassin, mais non. Il y a une personne qui me dit depuis quand je fais des objets pour le workshop. Ça fait depuis. Août 2013. Ouais, 2013. Que j'ai commencé. J'ai commencé toute seule en faisant. En regardant des tutoriaux sur le net, tout simplement. Et en me débrouillant un peu toute seule, j'ai mis 3 semaines à sortir une petite hache. Mais voilà, ça a été la découverte. Après, plus on en fait, plus on s'entraîne, et mieux on y arrive. Voilà. Bon, sinon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'objet d'... non, ça, c'était tout bon. J'ai pas refait de set ni quoi que ce soit hein, ces derniers temps. Faut dire que je suis pas mal occupée. Et je réfléchis peut-être à faire... peut-être changer la tête de Tini. On verra bien. Je vais voir un petit peu. Voilà. C'est pas un peu gros. Il y avait quelqu'un donc qui demandait si c'était pas un peu gros pour l'arme d'Elder Titan. Bah, pour te dire, c'est la taille de l'arme d'Elder Titan, de base. Voilà. Quand je l'ai mise sur l'autre arme, je sais pas si je l'ai encore ici. Attendez, je vais regarder vite fait. Open. Oui. Sur l'autre arme qui est ici. Ah, elle est tout aussi grosse, pour vous dire. Hein. Si j'importe la mienne. Je vais importer, hop, là. À la base, elle était petite comme ça à cause du FPX de l'autre fois. Mais je l'ai mis de la même taille. Hein. Attendez, je vais plutôt importer l'autre, ça va être mieux. Hop là. Voilà. Hop, vous voyez, la même taille. Hein. Elle est juste un tout petit peu plus avancée. Mais au niveau de l'épaisseur en haut, c'est quasiment la même. L'épaisseur en bas, c'est pareil. Donc voilà, c'est... La différence, elle est pas énorme. Hein. Pourtant, voilà. Comme ça, vous avez pu voir. Donc, sinon... C'est tout bon, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Ouais. Alors... On continue nos recherches sur Fantôme Assassin. Oui, j'ai dit Fantôme Assassin, sauf. Alors, on est reparti. Hop. Les armes. Weapon. Donc, bon, il y a un truc avec des losanges. Celui-là, il a été reposté il n'y a pas très longtemps. Parce qu'il a été proposé pour... pour aller dans un coffre pour les tournois de Byung. Dont lequel j'ai proposé aussi mon set de Shadow Demon et de Witch Doctor. Donc pour le moment j'ai pas de nouvelles, mais à mon avis s'ils repostent, c'est que Valve est en train de les regarder ou ce genre de choses. Ils ont dû leur demander de reposter pour mettre à jour leur truc ou autre. Voilà. Donc bon, il y a des trucs sympas, celle-là elle est plutôt sympatoche, mais bon, les runes, c'est pas trop Templar Assassin les runes. Quoique, je sais pas. Faut aussi, petit détail, bah regardez le moteur, celui de base. Enfin, le moteur. L'arme de base. Donc, pas Templar. Je vais arriver. Fantôme. Assassin. Dota 2. Alors. Hop, image. Donc celle-ci, c'est celle de base ou pas? J'ai l'impression que oui. Ouais, c'est celle de base. Donc, en attendant que ça charge, on regarde un petit peu le reste aussi. Ouais, donc c'était celle-là qui a été acceptée avec une espèce de pugila. Ouais, il me semble bien que c'est celle de base, celle-là. Je vais aller chercher sur un forum de Polycoon, c'est un petit forum bien sympa... où des gens font des créations, ils demandent les avis des gens, etc. C'est bien sympa, ils font des bons trucs.
Des fois, on poste aussi là-dessus. Et je vais aller voir donc dans les Heroes Concept. Et je vais chercher Fantôme. Voilà, elle est là. Comme ça, j'ai son arme de base en même temps. Voilà. Alors, on enregistre. Hop, hop là. Voilà. Et on l'envoie dans Photoshop. Donc. Hop, là je te veux plus. Donc voilà. Voici l'arme de base, elle a quelques runes. C'est vrai qu'elle a. Elle a des espèces de runes, enfin je sais pas vraiment des runes, on dirait plus du truc tribal un peu, c'est un peu bizarre. Sur elle, une espèce de côte de maille sur son torse. Alors, bah, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut savoir bah, qu'est-ce qu'on peut changer. Et à quoi ressemble le héros sans rien. Donc on voit très bien, elle a vraiment une sale tête sans casque. Donc voilà, c'est bien pratique ce site-là. Enfin, ce ouais, polycount pour ce genre de choses. Alors, il y a quelques liens d'images qui ont été envoyés. Alors, je vais juste, hop, y mettre quand même, sur un autre onglet, au cas où il y ait des petites farces. Donc là, il y a un truc sympa. Bon, c'est ninja, hein. Ninja, ninja. Qu'est-ce que c'est? Faut tout prendre, hein, parce que c'est tout de l'inspiration et ça reste intéressant. Bon, les classiques couteaux, pourquoi pas. Je vais les garder de côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je sais qu'il y a une faux pour Templar Assassin. Le seul truc, c'est que la faux, elle change les animations de base, étant donné que bah, il faut qu'elle la tienne à deux mains, et que ça, je suis pas encore en mesure de le faire. Voilà, je sais qu'on peut le faire, je sais que c'est très long à faire, que voilà, c'est assez spécial. On va éviter ce genre de choses. Donc, rester sur inspiration, une arme à une main, avec un côté tranchant, elle est assez violente, hein. Ce fantôme assassin avec son ulti, ça se voit très bien. Donc voilà, faut vraiment que ce soit quelque chose qui déchiquette, qui tranche pas net net, mais enfin voilà, déchiqueté totalement. Donc oui, voilà, il faut vraiment penser aussi à son mouvement quand elle attaque ou qu'elle, quand elle fait son ulti, qu'elle proc avec son ulti. Il me semble qu'elle fait un espèce de petit tour sur elle-même. Donc on va faire les recherches là-dessus. Je pense qu'il y est sur Dota de Tech. Si on regarde toute la liste des héros. Alors, elle est où? Elle est là. Il y a les vidéos, enfin, voilà. Donc ainsi, on peut voir. On va enlever le son. Ouais, voilà. Elle fait un espèce de. Non, elle fait même pas un tour sur elle-même. C'est assez étrange. Comment elle fait? Elle va tellement vite en fait qu'on n'arrive pas à voir si elle fait un petit tour sur elle-même. Hein. Mais j'ai bien l'impression qu'elle fait un petit tour sur elle-même ou alors elle se retourne totalement le torse. Je sais pas, je sais pas du tout comment elle fait. Ce qui est fun qu'on peut peut-être faire, ce qui serait pas mal du tout, ce serait. Je vais essayer de garder la page là, je vais lancer Dota comme ça. C'est assez drôle à faire. De prendre un objet, par exemple l'objet d'Elder Titan, et de le mettre sur Fantôme Assassin. Donc bon, ça va peut-être moitié buggy ou quoi que ce soit, mais au moins on va pouvoir avoir ces animations en arrêt, et ainsi bah, voir comment elle fait quand elle attaque en critique avec son ultime. Voilà. Alors, ouh, y a plein d'images encore qui ont été rajoutées. Je vais essayer de les ouvrir, hop, en fond en même temps, ça a été mis. Ouais, si vous arrivez à faire des petits liens, ce serait nickel.
Il y avait une personne aussi qui avait fait un petit croquis sur Twitter qui m'avait envoyé, que j'ai gardé de côté. Alors les gros kunai, ce genre de choses-là, vaut mieux éviter. Non seulement parce que bah, ça va pas trop avec le perso, dites-vous que c'est pas un ninja, hein, faut pas abuser non plus. Et très peu de chance ce genre de choses d'être accepté, vraiment, vraiment. Alors, on fait un test. Fantôme assassin. Oh, elle a une deuxième page. Si elle a une deuxième page, c'est peut-être parce qu'elle a un effet ou ce genre de choses. Donc il faut regarder après. On va aller voir. Oups. Moi, je vais essayer de mettre le même quand même. Voilà. Ouais, elle a un effet de particule. Alors, d'où par contre? C'est une bonne question. Alors, est-ce que c'est pour la giclure de sang qu'il y a l'effet de particules? Est-ce que c'est pour des esquives? Non. Est-ce que c'est pour autre chose? Je sais pas. C'est très étrange qu'elle ait des effets de particules. Bref. Effet de particules, ça pose un petit peu problème. Alors, j'espère que comme ça, ça va passer. Parce que pour faire les effets de particules, on va tout de suite voir même d'ailleurs qu'est-ce que c'est ici. Ouais, voilà. En fait, c'est des petites étoiles. Alors, je sais, j'ai jamais vu ça. J'avais pas vu qu'elle avait des petites étoiles sur son arme. Voilà. Comme quoi, on en apprend vraiment davantage. Ah, elle est sympa celle-là. Enfin bon. Pas trop de détails non plus, je pense qu'on va peut-être pas aller jusqu'à ça, mais voilà, l'inspiration de côté tranchant comme ça, peut-être bien sympa. Faut pas trop non plus penser à anti-image, hein, faut faire attention. Ouais, donc voilà, les particules, donc pourquoi ça a affiché ça comme ça? Bah tout simplement parce que chaque point donne un point de particule. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une étoile à chaque point de maillage en fait, de mon arme. C'est pour ça qu'en fait ça fait un truc comme ça. Bref, c'est pas ce qu'on voulait de base, donc ce qu'on va faire d'ailleurs, ça va arranger un peu la chose. Je vais mettre l'autre modèle parce qu'il est plus petit et ça va nous permettre de mieux voir le héros. C'est quand elle blink. Ah bon, bah c'est quand elle blink, on voit les petites étoiles. Comme quoi, hein. Bon, alors. Là, on peut remarquer que les particules ont bugué parce qu'il m'a gardé le précédent alors que je lui ai dit de changer. Ça arrive très souvent dans Dota, il faut redémarrer Dota pour pas que ça le fasse, etc. Enfin bref, c'est un peu pénible. Donc, l'attaque critique. Alors, elle en a plusieurs en fait. Voilà, là, elle fait un petit tour. Donc, elle en a plusieurs. Elle frappe. Ah oui, c'est avec la faux. D'accord, très bien. Ça, c'est avec la faux. Ok. Ouais, ça, c'est avec la faux aussi. D'accord, alors. Je sais pas du tout si je peux profiter du fait qu'elle avait une faux à la base pour. Vu qu'elle a gardé les os d'animation. Excusez-moi. Je sais pas du tout. On va éviter de prendre le risque, je pense. Si on veut pouvoir espérer que ce soit accepté. Ouais, celle-là, elle a été acceptée, celle-là, il me semble. Oui, elle a été acceptée. Ça ira bien par rapport à l'animation. Ouais, ouais. Oui, c'est très très bien ça. Mais je crois qu'elle est déjà acceptée. Ensuite. Ah non, pardon, c'est pour la meilleure arme de PA, c'est ça. D'accord, alors l'animation c'était celle-ci. Je crois. Oui, il y en a déjà eu. Désolé. Il y en a déjà une qui a été faite comme ça. Hein. À peu près, d'ailleurs, je crois qu'elle a été acceptée. Donc. Bon, on a pas mal d'idées, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a Wargave, enfin, il y a plein de trucs à faire, hein, mine de rien. Qu'est-ce que c'est ça? On va voir un petit peu les autres.
Beaucoup d'idées, hein. Il y a pas mal de liens de tout le monde, c'est pas mal. On peut faire un bon petit mix, on va faire tout ça après. Ce que je ferai, c'est que je ferai plusieurs croquis. J'aime bien la double lame qui a été linkée aussi. Hop. Une idée de double lame comme ça, je trouve ça sympa. Ça peut être pas mal. Ouais, donc on va faire des croquis, tout ça, tous ensemble. Bah, juste après la petite pause, on va continuer à faire un peu des recherches. Et puis, je vous mettrai des petits numéros, comme ça vous me direz si vous préférez le 1, ou qu'est-ce que vous préférez dans le 1, etc., etc. On fera plein de croquis. Et si ça sort un truc pas mal dès le début, et bah, on commencera la mode tranquillement. Je pense pas qu'on va... Pardon. Qu'on va croquer pendant pendant au moins une heure, ça va pas être génial quoi. Ah, j'arrive pas à cliquer. Voilà. Le coup de la lame, enfin de la chaîne sur une lame, comme ici. Pourquoi pas, mais ça tranche un peu moins bien. C'est ce que je reproche un petit peu. Après, je sais pas. Je sais pas du tout, faut penser aussi à la vie après de la communauté de Dota en général. Ouais, il y en avait une pour Axe comme je pensais l'autre, mais ouais, c'était peut-être Axe hein, au final. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau Alors, pensez, c'est pas une épée non plus, hein. C'est pas une épée qu'elle tient. C'est assez spécial hein, qu'il faut... comme arme à laquelle il faut penser. Mais je suis désolée. On va vite fait voir ensemble les armes acceptées. Ça va peut-être vous inspirer un petit peu mieux. Parce que ça aide pas mal, mine de rien. Sachant qu'une arme de Pugy a été acceptée aussi. Donc s'il y en a une qui a été acceptée, il peut y en avoir d'autres. Donc là aussi, vous pouvez... peut-être voir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, si on fait plus en plus J ou plus en tranchant, etc. Bon, tu te dépêches. Voilà. Donc la plus J, c'était celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai pas vue, celle-là. Elle fait peur. Elle fait peur. Elle est jolie. Elle est un peu buggée. Elle le tient par une corne qui lui rentre dans le doigt. Mais ouais, en soi, ça a l'air. Elle a l'air plutôt pas mal, mais bon. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je la trouve sympa. Moi, j'aime bien ce côté. Griffe tranchante. Ça, vraiment, ça tranche à plusieurs reprises, ce genre de choses. Bon, ça personnellement, c'est pas trop de mon goût. Hein. Après, pourquoi pas. Ouais, celle-là est sympa. On remarque qu'il y a. Il y a pas mal de doubles lames assez séparées hein, en soi qui ont été faites. Bon, ça, c'est la faux. Mais ouais, c'est surtout des doubles lames séparées qui ont été acceptées, qui sont pas mal. Il y a certains modèles qui n'y sont pas, hein, je le sais. Ça arrive très souvent qu'ils oublient de mettre certains modèles. Ok. On va garder les acceptés de côté. l'arme d'assassin, c'est vrai qu'elle doit rester assez grosse. Enfin, assez grosse, assez petite, pardon, parce qu'elle est discrète. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Après, vu comment elle est bourrine, ça passe bien, je pense, là. La grosse arme. Parce que mine de rien, elle est vraiment violente. Bon, il y en a qui se sont amusés à faire une rapière. Pourquoi pas hein. Ça passe pas très bien quand même. ça fait plus penser à un glaive de Luna, donc normal que ça n'a pas été pris. Moi, ça personnellement, ça me fait plus penser à l'arme de. Oh, comment ça s'appelle, Mudfall. Sympa l'idée, mais je trouve que ça va pas avec le perso, la petite aile. Ça, je pense peut-être trop simple.
J'essaie de juger un petit peu les armes en fonction de mon point de vue et essayer de voir un peu aussi par rapport au point de vue de Valve, quoi. Savoir exactement pourquoi ils n'auraient pas accepté cette arme, etc. Pourtant, il y en a beaucoup des armes de Templar, de proposer. Il y a 6 pages. En général, je tombe sur 4 pages, genre de choses. Alors, ça fait totalement bourrin. Ça fait full. Ça fait glaive de Luna. Un peu pareil. Presque pareil. Faut une asymétrie. Hein. Je pense que une asymétrie serait excellente dans le sens horizontal, hein, bien sûr. Pas vertical. Ouais. Y a pas mal de choses. Y a pas mal de choses. Bon. Mine de rien, y a des mauvaises choses aussi. Ça ne va pas. Ça, je vois pas trop ce que c'est, ça. De face comme ça. Oh non, c'est pas joli. C'est trop petit. Beaucoup trop petit. Et on remarque pas son arme. En plus, celle-là, elle la tient pas dans le bon sens. Faudrait le tourner à 90 degrés, l'arme. Enfin, je veux dire, le tranchant n'est pas dans le bon sens. C'est un peu spécial. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi pas les armes de Voldo. Pas les mêmes, mais une inspi. Voldo, je sais pas du tout ce que tu veux dire par Voldo. Si c'est un raccourci ou quoi, à la limite. Continuez, hein, dans tous les cas, à envoyer des références, hein, ça aide énormément. Plus il y a de références, plus ça donne d'idées, plus c'est sympa. Alors, Voldo. Ah d'accord, je vois, t'as mis le lien après. Bah, je trouve ça trop petit et plus dans le thème de Vengeful, pas dans le thème de Templar, quoi. C'est ça le problème. PA, oui, elle est pas mal vue et revue, mais bon, on a fait un vote tous ensemble, on va faire une arme ensemble pour ce personnage. Un dire chef sur le groupe magie. Ouais, on fera un de ces jours, hein, cette fourogre magie. Je pense qu'on le fera ensemble. Il faudrait que je réfléchisse un peu. Mais bon, soyez patients parce qu'avec les études, j'ai pas mal de boulot. Donc, je peux pas trop me pencher sur ce genre de choses. Oui, on peut prendre de l'inspiration sur Monster Hunter et Diablo, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est un petit peu sur Monster Hunter que je me suis inspiré pour l'arc de Klynx. Donc, ouais, c'est. Non, il faut chercher un peu partout, il faut chercher dans ses références, il faut chercher qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui n'est pas accepté, parce que ça aide aussi. Enfin voilà, faut faire un tas de trucs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la petite pause maintenant. C'est 59, donc ça va, on est dans les temps. Et après, on va croquer ensemble, on va faire des croquis, faire des votes, enfin des votes. Vous allez dire en temps réel votre avis. Et comme ça, on va voir un petit peu. Ce que ça va donner. Tout ça, tout ça. Sinon, j'ai cette cause perdue, pas tellement, franchement. Quand je vois, ok, il y a beaucoup d'armes, mais quand je vois le nombre d'armes qui valent le coup dedans et le nombre d'armes qui valent pas du tout le coup, on peut enlever 3 pages. Facile. Très très facilement. Donc déjà, cette page on peut déjà enlever. Celle-là, ça va pas du tout avec le perso. Ça c'est pas beau. Ça c'est pas beau. Ça, l'idée est bonne, mais c'est pas beau. Ça on voit rien. Qu'est-ce que c'est? Ah, l'arme est plutôt sympa. Celle-là, elle est sympa. Peut-être trop fine, trop. Ça fait peut-être encore trop pour comme Luna. Ça, c'est pas beau. Ça ne va pas avec le perso. Pareil. Ça fait anti-image.
sais pas pourquoi il est allé dans les roses. Enfin voilà, c'est... Il y a beaucoup de trolls hein, sur le workshop, hein, mine de rien. Ça c'est... Voilà, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Rien qui vaut le coup là-dedans. Non, il y a peut-être beaucoup de propositions, mais il n'y a pas à s'en faire. Hein. Toujours une chance. Ça ne faut pas du tout s'en faire. Et le principal, c'est de faire un truc tous ensemble, avec la communauté, voir un peu. L'idée est rigolote pour celle-là. J'aime bien cette idée de serpent avec un croc qui fixe sa tranche. Pourquoi pas réexploiter ça, entre guillemets, en faisant plus avec un, je sais pas, peut-être pas une tête de démon, mais voilà, faut réfléchir, faut creuser, faut analyser. Enfin voilà. Mais il y a des trucs sympas à faire. Celle-là elle est sympa, mais bon, je pense que c'est trop petit pour Templar Assassin, pas assez de longueur en soi. C'est quand même assez long comme arme qu'elle a de base. Ce qui est assez intéressant aussi, je vais essayer de le trouver durant la pause. Je vais vous mettre la pause. Mais je vais regarder parce qu'il y a les concepts de base de Valve qu'on peut de temps en temps trouver sur internet et des fois ils changent pas mal de choses. Donc c'est à voir ça aussi. Je vous mets la petite pause de 5 minutes. Oui, 5 minutes, pardon. Et je vous dis à tout de suite. Alors, rebonsoir à tous. Donc, j'ai regardé par rapport au lien là, que vous m'avez tous envoyé. J'aime bien cette idée du bras, de la lame qui suit le bras. Je trouve ça, oups là, je trouve ça excellent. C'est vraiment intéressant. Ah, j'ai perdu le lien, c'est pas celle-là. Bon, Illidan, on va éviter. on la connaît tous très bien celle-là. La lame qui suit le bras, ah il me la refaut, voilà c'est celle-là. Donc je trouve l'idée vraiment sympa en soi, qu'après on peut quand même prolonger sur le devant. Mine de rien, faut réfléchir par rapport à l'animation pour celle-là. Parce que elle tient quand même son arme assez droite. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Elle tient son arme assez droite en soi. Et elle est toujours... je veux dire, elle tient toujours son arme de manière perpendiculaire. Ce qui peut poser souci. Voilà, c'est le seul truc qui pourrait embêter. Mais voilà, sinon, ouais, voilà, ça se voit. Donc ça peut ne pas marcher, je vais y arriver. Cependant, il y a des très bonnes idées. Bon, les faux, si vous me linkez une faux, dites-moi ce que vous aimez sur cette faux, parce que je vous ai dit, on fait pas de faux. Celle-là reste assez simple en soi, mais le fait que la lame est derrière et repasse devant, ça me fait penser un peu à Anti-Mage, mais pourquoi pas. Voilà, sinon... Donc on parlait de Fantôme Assassin, pour ceux qui ne savent pas, qui viennent juste d'arriver ou quoi. On continue les liens, continuez. Je vais en même temps vous montrer le... work de Valve. Voilà, le concept de Valve, c'était celui-là, avant qu'elle soit créée. Voilà. Donc, on peut voir directement, l'arme en soi n'a pas changé, absolument pas. Le personnage a quasiment pas changé, peut-être la tête un peu moins rentrée dans ses épaules au niveau du cou. Sinon, voilà. Pas beaucoup changé hein, par rapport au modèle de base, enfin au modèle qu'ils ont sorti au final. Ouais, plus arrondi, sinon ouais, avec ces deux petites dagues à la ceinture, ouais, voilà, pas beaucoup de changements. Si vous êtes curieux un peu, tapez sur Google Valve concept et puis le nom d'un des héros. Je sais que par exemple pour Elder Titan il y avait des trucs assez bizarres. Pareil pour Magnus, il me semble. Même Skyward, il y avait des trucs, beaucoup de trucs qui changeaient. C'est intéressant de voir comment ça change, comment ça évolue. Cette idée-là, je l'aime bien. Peut-être repartir sur une pseudo pugila, ça peut être sympa aussi.
Celle-là est sympa également, hein, mine de rien. On va vraiment s'inspirer, on va faire plusieurs styles. On va essayer un petit coup plus gila, un petit coup ce genre de choses, un autre petit coup. Enfin voilà. On va voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Alors, il y a plein d'autres liens. Alors, on va regarder. Une double faux. Ça a déjà été fait, si je me trompe pas. Et ça n'a pas été accepté. Pourtant, c'était de la bonne qualité, si j'ai bon souvenir. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Bon, il y a beaucoup d'épées. Alors, quand vous me linkez une épée, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous aimez sur l'épée. On va pas lui faire une épée. L'image du troll de WoW, ça fait très Bloodseeker. Donc, on essaie d'éviter. Celle-là est sympa. Elle ressemble un peu à ça. Picto. Ouais. Ça, c'est très très simple. Picto. Mine de rien. Picou, pardon. Alors, ce qu'on va faire, on va se lancer. Parce que, à force de regarder, 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 on travaille pas. Alors, on est parti. Hop, j'ai pas de bug de tablette, c'est nickel. La touche Alt, elle marche? Non, elle marche pas. Alors, petit réglage vite fait. De la tablette. Alors, modificateur. Alt. Touche. Petit réglage de tablette. Des fois, il saute. Hein. Ça arrive assez souvent. Hop là. Ah, j'ai une barrette de RAM qui a lâché, je pense, parce que j'ai pas mal de. Enfin, le PC rame pas mal, c'est assez anormal en soi. J'espère que ça va pas trop poser de problème pour les prochains streams, le temps que. Bah, le temps que je la change. Donc, ça c'est l'arme de base, ok? Allez. Alors, on est parti. Ce qu'il faut. Donc, on va noter un petit texte en haut là-haut. En noir. Hop. Les idées. Tranchant. Hop là. Je vais me mettre en plus petit. Oula, trop petit. Voilà, je mets comme ça. Je rappellerai au mieux. Tranchant. Du tribal. Si jamais je le note, mais ça veut pas dire qu'on va le faire obligatoirement. C'est juste pour se dire, pour dire bon, il y a ce genre de choses qu'on peut faire, ce genre de choses, ce genre de choses. Plus j'y là. Lame, normal. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Donc là, dans ce genre de choses. Ouais. On va voir sur les autres pages. Hop. Donc, alors. On va mettre vert. Alors, peut-être que vous, ça vous parle pas, mais à moi, ça me parle. C'est le principal. Hop. Donc pointu également. C'est juste des mots-clés que je mets pour me mémoriser, pour me dire ah bah je peux faire ce genre de choses. Tiens, côté pointu, ah bah je peux faire ça. Ça va me redonner de l'idée, etc., etc. C'est assez important quand on fait du croquis. Ce qu'il faut éviter également, c'est la maladie de la feuille blanche. C'est on a un truc et puis bah on réfléchit pendant 3 heures, pendant 3 heures, pendant 3 heures. Pour éviter ça, et ben faut gribouiller, faut croquer, faut partir dans un geste et puis se dire bon bah on avance. Puis avec ce geste-là, on va se dire ah ça j'aime bien, hop, puis on continue l'arme avec un truc complètement qui était de base un trait complètement hasardeux. Voilà. C'est le but d'éviter la maladie de la feuille blanche. Ça j'aime bien. Ça c'est pas mal, on va mettre arrondi. Et je pense que ça suffira. Il a pas écrit arrondi. Voilà. Alors, on est parti. On fait plein de calques pour éviter, si possible, d'en mettre de partout. Enfin, de mettre des dessins partout sur un seul et même calque. Alors, on en fait plusieurs, comme ça on est tranquille. Alors, on est parti. Hop, ce trait, il va très bien.
Alors, on va essayer de partir sur un truc. Peut-être style crâne, je sais pas, ce genre de choses. On va regarder. Ouais, je croyais que j'avais un petit bug, mais non. J'ai check, c'est tout bon. Il y a encore des petites idées, je vais vite fait les regarder dans le coin. Hop là. Tac. Ah, c'est pour le côté tribal. Pourquoi pas. As-tu fait des vidéos ou des streams auparavant? Et puis la première question, je trouve que tu hésites pas à parler, alors que tu sembles plus réservé au début. C'est vrai que j'hésite pas à parler, mais faut dire que. Bah, je sais pas, souvent quand je travaille toute seule, je me répétais 100 fois en fait. Quand j'ai fait le set de Tini et tout le bazar, que avant que je fasse du stream, je me disais, faudrait que je fasse du stream. Bah, quand je faisais mes héros, je me disais dans ma tête, je me parlais à moi-même pour m'habituer à parler comme ça librement. Je suis venu tout seul. Mais j'étais dans l'optique de faire du stream. Donc, l'entraînement comme ça. Faut dire, c'est moins stressant d'être devant un écran filmé que devant des gens. Des vrais gens, je parle. Là, je peux un peu plus faire l'andouille. Sinon, bon, plus sérieusement. Là, je suis en train de faire la maladie de la feuille blanche, alors on y va. Hop, alors c'est parti. On va dire qu'il y a un manche comme ceci. Hop. Très bien. Donc, bon, déjà j'ai un petit manche. Ah, ça peut être sympa ça. Pourquoi pas. Alors, je suis partie dans une lame comme ça. Alors, zou. Ça se trouve, ça va être vraiment très moche et puis on va passer à autre chose. Hein. Là, je suis en train de faire des trucs beaucoup trop arrondis. Ça va pas du tout. Là, je suis en train de recopier l'autre image, donc ça ne va pas du tout. C'est quoi l'image? Hop. Inspiration totale. Donc, enfin totale, plutôt nulle, parce que il n'y a aucune image sous mes yeux qui puisse m'inspirer. On va vraiment partir dans du live. Alors, hop, c'est parti. On va faire un truc comme ceci. Pourquoi pas un machin qui part comme cela. Bon, bien sûr, bien plus pointu, hein. C'est du croc, il faut pas s'en faire. Alors moi j'aime bien là ce petit côté-là comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais. Alors, surtout, n'hésitez pas à me dire oh ça ressemble trop à ça. Parce que on se rend pas compte, en soi, mais l'inspiration, quand elle vient, eh ben, c'est souvent des trucs qu'on a déjà connus qui sortent. Et ça, c'est assez impressionnant. Et j'ai beau faire des choses, je me rends pas compte qu'en fait, bah, j'ai fait un truc qui sort d'un jeu ou n'importe quoi. Et comme le cou de Tilly, la tête de Tilly qui ressemble à machin, bah. Ouais. Je l'ai vu, hein, ce héros. Enfin, je l'ai vu, ce boss et tout, de croque, là. Mais non, je vous assure, je me suis pas du tout inspirée de lui. Je m'en souvenais plus. Je m'en souvenais plus du tout. Donc voilà. Bon. Why not? On va redescendre un petit peu. Et puis surtout, ce qu'on va faire, je vais un petit peu plus penser à vous. On va grossir le. Enfin, c'est mieux pour vous. J'aime bien travailler en petit parce que ça me permet d'avoir une vision un peu plus globale de l'objet. Mais faut que je pense un petit peu plus au fait que vous allez peut-être pas spécialement voir sur le stream, voilà. Comme quoi, hein, je manque un petit peu d'espace d'expérience pour le stream, voilà. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Un crâne sur le manche qui pendouille. Peut pas pendouille, faut rajouter des os pour qu'il pendouille. Et ça, je sais pas encore le faire, malheureusement. Enfin, je sais rajouter des os pour faire une animation et tout. En plus, je suis en train d'apprendre dans Maya en ce moment. Mais le problème, c'est de pouvoir importer ces os-là dans les animations des autres, etc. De modifier tous les fichiers du jeu et se tester. Et puis, c'est un bazar extrême de code et de modification de fichiers
Et voilà, c'est le bazar. Donc il faut pas trop pousser le bouchon. Et on va essayer de faire quelque chose de sympa. Je me suis fait un soleil perso. Oui, c'est la lampe derrière moi en fait. La qualité de la webcam est très mauvaise. Je vais essayer d'en acheter une nouvelle. Mais non, c'est pas un soleil derrière moi, je vous rassure. C'est une lampe. Alors. Bon, sinon, si jamais je fais mes études. Il y a quelqu'un qui demande où est-ce que je fais mes études? Donc, je fais mes études à Ariès, à Mélan, du côté de Grenoble. École qui est quand même fort intéressante. Il y avait pas mal eu de mauvaises critiques sur des forums, mais je pense que ça dépend beaucoup de l'école en question. En tout cas, à Mélan, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà. Sinon, c'est pas que je suis à court d'idées, c'est que ça me gêne. Il y a un truc qui me gêne. Ça veut dire que la main, elle va venir comme ça. Hop. Donc. Alors, il y a un truc bon à savoir, c'est que on peut pas lui changer ses poignets. C'est ça qui est bien. Donc, vu qu'on peut pas lui changer ses poignets, ce serait pas mal de faire une arme qui est assortie au poignet. Ça c'est cool. Pareil, les jambes on peut pas les changer, et puis le torse on peut pas. Donc ce qui serait vraiment sympa, c'est de faire un truc qui soit assorti avec. Ça peut être vraiment cool. Parce que si ça en tenait qu'à moi, j'aurais fait si je devais faire un set pour Templar, mais bon, je pense pas me lancer là-dedans. J'aurais fait une arme qui puisse être assortie avec les poignets que je changerais, etc. etc. Enfin, voilà. Pourquoi pas? Alors, je dois tirer un petit peu la tête, mais vous en faites pas, hein. Parce que je suis très concentrée. Alors quand je dessine, je ne sais pas la tête que je fais. Alors, donc là, il y a déjà un problème de logique dans mon dessin, et c'est ce que je déteste le plus dans les créations d'objets. C'est que si j'ai une lame tangente là, puis là, je vais pas pouvoir, je veux dire, trancher dans ce sens-là pour déchirer la chair, étant donné que j'ai cette lame-là qui m'emmerde. Voilà. Donc, ce n'est pas logique. Donc, soit je change le haut, soit je change le bas. Enfin, voilà. Je vais changer le haut, mais je vais garder ce côté lame, peut-être comme ça. Voilà. Très vite fait, hein. Alors, des fois, je fais des croquis, c'est vraiment, ça ressemble à rien. D'autres fois, ça ressemble à quelque chose. Hop. Donc, et on va cut. Hop là, allez, on continue. Il y a pas mal de questions. D'un seul coup, là. Pourquoi pas un crâne en rond au milieu de la lame? Mouais. Ce qui veut dire qu'elle tiendrait le crâne. Donc je vois pas trop l'intérêt de faire un crâne en soi, ou alors c'est au-dessus du crâne, peut-être que tu vois ça comme ça, pourquoi pas. Sinon, de toute façon, on va prendre tout l'avant de l'arme, puis de se replier vers l'arrière. Alors, il y a des idées comme ça, je sais qu'il y en a eu une comme ça de la lame qui va vers l'avant et puis qui se replie vers l'arrière comme ça à fond. C'était sur Chaos Knight et je trouve que ça rend vraiment moyen. Vraiment moyen moins même. Voilà. Enfin voilà, non, sinon j'ai. Ça c'est pas un problème. Ça c'est tout bon. Ok. Ah, au milieu de la lame. Au milieu de la lame, c'est du déjà vu. Pourquoi pas? Je sais pas du tout, je vois pas trop. Niveau du crâne, là, où est-ce que vous voulez le mettre? Mais je garde un petit crâne, on va essayer d'en caser. Pourquoi pas?
Je vais essayer un truc. Toi, tu t'en vas. Sera plus comme ça, ok. Hop. Alors, comme je l'ai dit au début des streams, cette phase de concept est très 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 importante parce que c'est ça qui va déterminer bien sûr la forme finale de votre arme. C'est ça qui va déterminer si oui ou non les gens y vont aimer. Et ça va aussi vous permettre d'éviter de faire beaucoup de travail pour qu'au final vous vous dites ah bah mais c'était trop petit là et oh bah ça va pas avec le reste de mon set, etc. Et que vous vous dites bah j'ai passé 3 heures 3 heures à faire du ZBrush, 3 heures à faire des textures, 3 heures à faire ci, à faire ça, pour rien. Voilà. Donc il faut vraiment voilà, faut vraiment chercher. Moi, je pars vraiment dans un style de crochet. Hein. Ouais, c'est ce qu'on voit un peu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce lien? Illidan. Mais arrêtez de m'envoyer du Illidan. Dis-moi ce que t'aimes chez Illidan. Enfin, chez cette arme de Illidan. Parce que bon, dites-vous qu'il faut pas copier. Hein. Pensez à une chose, c'est que Dota, ils ont dû changer des trucs sur les héros, comme Windrunner en Windranger. Comme beaucoup d'autres héros, comme le Skeleton King, comme plein de choses, tout simplement parce que ça ressemblait trop aux héros de Blizzard. Et ils se sont fait taper sur les doigts là-dessus, alors ils ont dû changer les modèles. Voilà. Donc faut pas non plus les pousser là-dedans, quoi. Oui. Petit crâne au milieu, bon. Spécial, on dirait un mélange de pirate et de ninja, c'est particulier. Mais double lame en haut, au bout, pourquoi pas. Attention, qui dit double dit plus de polygones. Qui dit plus de polygones dit plus de difficultés, voire impossibilité à faire l'objet. Donc faut faire attention. Sinon, cette partie est sympatoche, mais voilà, je suis à court d'idées pour le reste parce que. Bah, parce que ça me gêne. Il y a. Bon, ce qu'on va faire, c'est plus simple, on efface ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de bien sympa devant qui aille avec l'arrière? Sachant que peut-être que ça, là, je vais devoir l'enlever pour essayer de gagner un peu de polygone. Ce serait peut-être sympa. Lame supérieure passée en arrière droite, ouais. Non, il y a de quoi faire mieux que l'arme originale, hein, vous en faites pas. Il faut vraiment penser à ses animations, à sa manière de taper avec, à. Oh, j'ai pas pensé à un truc. Mais ce qui est aussi intéressant, comme source d'inspiration, c'est son lore, tout simplement. On va regarder vite fait dans son lore. Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Ça aide un peu. Alors. Un. Ouais. Je peux pas trouver grand chose sur la. Sur son histoire par rapport à l'arme. Élevé sans identité propre, mis à part ça. Hein. D'accord, donc ça faisait. Ok, et elle a un petit surnom. Pourquoi pas? Ouais, ça fait un petit peu. Petite. Ça fait un peu ninja. Son histoire. Mais, ouais, j'ai lu vraiment vite fait. Hein. J'ai vraiment survolé pour essayer de trouver du détail par rapport à son équipement, mais rien. Je sais que dans Disruptor, il a du détail sur son équipement. Il détaille qu'il a des bobines bandeau pour attirer la foudre et tout, parce que c'est grâce à ça qu'il crée la foudre, etc., etc. Non, il y a des trucs bien sympas.
Je suis tombée sur un truc, petite image, c'était quelqu'un qui avait fait des concepts pour Templar là. Je trouve l'idée sympa. Vraiment. Après, est-ce que ça a déjà été fait? Je pense que oui. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le style du perso? Ça, je sais pas. Faudrait voir. Ou par contre, le 7. Le 7, c'est pas ça du tout. Mais voilà, cette idée de. Si je retourne dehors, voilà. Cette idée de crâne, puis la lame qui est autour du crâne, je trouve ça sympa. Ou peut-être pas spécialement un crâne, on peut faire autre chose. On peut faire un. Je sais pas. Juste des symboles ou une autre sculpture ou quoi. On va voir tout ça. Alors. Il y a eu d'autres liens. Non, ça c'est du tribal. Bonsoir à ceux qui ont rejoint. Hop. Je viens de faire un croquis très rapide, si ça intéresse. Alors, ce croquis très rapide est sympa. Il est très sympa, mais ça me fait un peu penser à l'arme de base. Enfin, pas l'arme de base, mais à l'autre là qui était sorti. Il me semble avoir déjà vu ça. Ouais, ça me fait un peu penser à ça, ça. Mais voilà, c'est dans l'idée, quoi. Mais ouais, c'est dommage que ça. Vous voyez, ça ressemble pas mal quand même. Mais c'est l'idée, c'est l'idée. Après, on peut exploiter ça en gardant ce côté crochu et en faisant en sorte bah, que l'arrière soit pas tant remonté vers l'avant. Donc, à la limite, ce que je propose. Hop. On fait un nouveau. Très vite fait. Nouvelle proposition. Donc ça, c'est proposition 1. Alors. Proposition 1 qui n'est pas finie, bien sûr. On verra si on la continue après ou pas. Je fais un espèce de truc creux, là, ça va pas. Bon. On va faire un truc assez simple derrière. Ah, genre, on va reprendre l'inspiration de. J'avais une idée, mais elle est trop floue. Ça arrive très souvent, ce qui fait que j'arrive pas du tout à la développer, à l'imager comme il faut. Bon, c'est pas grave. Faire reprendre le style crochet, mais de ce côté-là, en fait. Je ne sais pas. On va voir. Donc au final, c'est pas si simple que ça parce que j'ai mis une double lame plus de poly. Donc faudra faire attention. Cependant, on peut faire un truc bien sympa là. Non, 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 ça ne va pas. Hop. Là, c'est trop fin. On va épaissir un petit peu ça. Et là-haut, ça ne va pas. C'est trop courbé. Parce que j'ai plus beaucoup de place. Ah, j'ai mis le 1 avec. C'est pas grave. On va faire un système de couches. C'est-à-dire que, vu que le truc du crâne, là, que je vais vous remontrer. Hop, ici, c'est une couche et en dessous il y a la lame, une couche secondaire. Et là c'est encore une autre couche ici, vous voyez? C'est cette idée-là, un système de couches comme ça. Ça peut être sympa. Donc on va s'inspirer de ça. On va faire un système de couches. Hop. Ou même, j'ai peut-être même mieux.
Ça donne de l'idée, ça donne toujours de l'idée quand on avance. On peut faire un truc en système de couches, mais inversé. C'est-à-dire que on va faire une base là, celle-là, mais on va faire une double lame qui va passer comme ça, en fait, par-dessus. Si vous... Bon, j'image très vite, hein, mais alors là, c'est vraiment très très moche. Non, je vais retravailler un peu ça. Hop. On enlève ça. On fait un truc comme ceci. Je pars sur une autre idée, mais pourquoi pas. En gros, ici, on va dire que je vais mettre des codes couleurs après pour que vous compreniez mieux, d'accord? L'arme. Alors, on va essayer de faire des lignes droites assez propres quand même. Oh. Voilà. L'arme, elle est comme ceci. Elle remonte là. C'est à ce niveau-là. J'essaie de faire le même niveau, ok? Hop, ça c'est une épaisseur. Donc là, hop. Vous allez voir après ce que je veux vous faire voir. Hop. Là, c'est pareil. Et là, hop. On va dire que c'est là. Tac. Et en fait, la lame, elle est là. Donc en gros, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ici, donc là, ici, c'est ça, et que ici, c'est ça, vu d'en haut ou vu d'en dessous, c'est-à-dire vu comme ça, voilà. Puis là, on regarde. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a comme la déco qui est de chaque côté de la lame, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, on va voir. Hop là, je sais que je peux pas y aller avec ça. On va voir ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Le fait que s'il y ait plusieurs couches, non, ça ne demande pas tant de polygones que ça. Étant donné qu'on peut gruger un petit peu là-dessus. Étant donné que la normal map en elle-même donne l'effet de couche. Donc ouais, non, c'est pas du tout un problème là-dessus. On peut vraiment gruger. C'est ça qui est bien. Le seul vrai gros problème, c'est les arrondis en polygones et tout ce qui est double, où on doit vraiment avoir un espace au milieu. Par exemple, vous allez faire une racine qui se tortille dans tous les sens, bah, va falloir faire la racine dans tous les sens, à moins que vous la fassiez en 2D. Mais voilà, va falloir faire vraiment tout le tour, on peut pas gruger nulle part. C'est ça le souci. Il y a encore pas mal de trucs. Pourquoi pas faire passe la lame dessous. Dessus avant qu'elle passe dessous. Alors oui, j'ai pensé à ça au début, mais comment dire, j'ai essayé de le projeter en 3D et je n'arrivais pas du tout. J'arrive vraiment pas à le voir en 3D. Et si j'arrive pas à le voir en 3D, j'arrive pas à le projeter comme ça. Mais cependant, j'ai encore une autre idée qui vient de venir, c'est que cette lame-là, voilà. On peut la doubler ici. Hop. Puis là, ça fait une lame également. Ça peut être sympa. Ça fait un peu comme une patte de dragon. Je sais pas, hein. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Une grosse papatte là, une grosse papatte là, puis une autre de l'autre côté. Ça fait pas mal de poly, par contre. Donc ça, si on veut pouvoir faire ça, ça va être un petit peu plus difficile, plus délicat. Mais on arrive sur un bon truc là, ça c'est pas mal du tout en soi. Mais voilà, faut changer ce côté-là, parce que ça va plus du tout avec ce thème-là. Donc ça à la limite, on peut l'enlever. Je vais quand même le couper pour le garder. Hop là. Hop, cut. On le fout là. Donc, ouais, je suis toujours là. Très bien.
Moi, j'aime beaucoup la partie basse, la partie haute est spéciale. C'est vrai qu'elle est un peu spéciale en soi, mais je sais pas, c'est la pointe des couches vertes, ce serait mieux dans un autre sens. Je trouve un peu déséquilibré avec l'arrière. Oui, il faut que je change l'arrière. Sinon, je pense que c'est bon. Voilà, vous voyez, les avis sont très partagés. Il y en a qui aiment pas le bas, il y en a qui aiment le bas. Pourquoi pas faire une sorte de lame du milieu qui arrive jusque de l'autre côté de l'arme? Ouais, faut voir, faut vraiment voir. On peut faire des trucs, par exemple, un truc un peu plus tranchant comme ça, ou ce genre de choses. Mais là, à partir de là, je pense, on va un peu plus développer cette idée-là. Et faudrait essayer de la développer au niveau du bas. Parce que au niveau du haut, c'est fait. On peut même un petit peu plus pousser. Mais il faut penser aussi niveau polygone. Là, c'est chaud niveau polygone. C'est vraiment chaud. Donc on va essayer de faire un bon truc. Surtout que bah, il reste plus beaucoup de temps, mais bon, on m'a dit que je pouvais un petit peu dépasser sur le timer. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je vais pas trop dépasser non plus parce que je suis pas mal fatiguée. Mais voilà, ce serait bien qu'on se trouve un truc, une bonne idée tous ensemble. Et un truc que pas mal de gens aiment. Et puis, une majorité du moins, parce qu'on va pas pouvoir faire un truc qui plaît à tout le monde. Ça, c'est difficile. Ah, c'est sur toi que je dois m'effacer, forcément. Hop. Voilà. Donc, un truc en bas. Alors, moi, je vois un truc comme ceci. Pas de double lame en bas parce que là on va plus pouvoir, mais on va faire une épaisseur. Je suis en train de repasser sur mes traits. C'est bien de repasser sur ses traits, mais au bout d'un moment on voit plus rien et dans Photoshop c'est encore pire parce que j'appuie plus fort. Donc ça marque encore plus. Partie noire du haut fait un peu trop simple, pas assez d'angle. Ouais, je pense, ouais. Ici, je pense que tu veux parler de là. Mais on peut faire un truc peut-être un peu plus comme ceci. Ça peut être plus sympa. Hop. Voilà, puis on peut faire un truc genre. Alors, là, je suis en train de compliquer quelque chose et vous allez encore plus comprendre pourquoi. Parce que si je fais un trou là, par exemple, hein, je pense pas que je vais le faire parce que ça sera peut-être pas possible niveau poly. Mais si je fais un trou là, ça veut dire que faut que je fasse des polys dedans et des polys dedans encore, et puis que je fasse l'épaisseur et que je refasse l'épaisseur là dedans aussi. Ça rajoute une quantité de polygones monstrueuse, mais vraiment. Donc faut éviter les trous. Vraiment éviter les trous. Mais on peut s'amuser à genre épaissir un petit peu ça. Et hop. Ce genre de choses. Il faut. Voilà, faut travailler encore et encore et encore. Et il faut aussi un petit truc bien sympa à savoir. Il ne faut pas s'attacher à ce qu'on fait. Parce que des fois, on sort des bien meilleures choses sans s'attacher aux choses précédentes. Pourquoi ne pas faire une queue en bas? Alors, par rapport à la patte, pourquoi pas? Moi j'ai envie de dire pourquoi pas faire une espèce de queue ou un bout de queue ou faut voir. J'ai envie. Moi je suis pas mal tentée sur ce côté-là, un peu dragon. Après, je sais pas ce que vous en pensez, si c'est vraiment une bonne idée ou pas, si. Ou autre. Des ailes genre ça. Qu'est-ce que c'est? On va voir. Des ailes. Je sais pas. Je t'avoue que je suis pas très très fan comme ça. Il y en a un qui a fait des ailes d'ange, mais je sais pas du tout. Ça peut être une idée, hein, mine de rien. On peut l'exploiter.
Je garde quand même ton idée de côté. Ça peut être sympa. Sinon. Hop, il n'y a pas de souci là-dessus. Hook de dragon. Ça fait un peu hook de dragon version PA. Ah bon? Il ressemblait à ça, l'hook de dragon? Il me semblait pas. Pour le bas, une tête de dragon en forme de trapèze. Ou un profil. Ou un profil un peu comme sur la l'arme de tout à l'heure là qui avait une tête de piaf. Ça fait un peu hook. Ça je l'ai déjà lu. Une forme de Y. Ça peut être sympa aussi la forme de Y, c'est sûr. Ça je. Enfin voilà, il faut y travailler tout ça ensemble. On va voir tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rester déjà un peu dans l'idée assez simplifiée en bas, parce que tête de dragon, c'est bien sympa, mais ça va encore rajouter pas mal de polygones, donc faut faire gaffe. Faut vraiment faire gaffe à ça. Je vais rester assez simple pour le moment en bas. Genre, faire des trucs comme ça. Hop. On va essayer de pousser un petit peu plus loin le détail. On va pousser le reste. Oups, non, pas toi. Oh. Voilà. Tiens aussi, il s'en va. Donc, on va remettre les petits chiffres. Ici, c'est 2. Ici, c'est 1. Et lui, on va mettre 3 pour ce truc-là. Hop là. Voilà. Why not? Allez, on efface un peu ce qu'on a fait, enfin en tête bien sûr, je vais garder quand même en inspiration, on essaie de partir sur autre chose. Je vais partir un petit peu sur l'idée de l'aile de en lame. Sauf que on va peut-être pas faire une aile. Non, parce qu'une gueule, ça va pas le faire non plus. Enfin une gueule de dragon, hein, je parle. Bien sûr, une bouche de dragon si vous préférez. Ça va peut-être pas le faire non plus, ça fait un peu trop asiatique. Esprit de nouvel an chinois comme il y a eu pour comment elle s'appelle? Légion Commander. Non, on va essayer de partir sur plus du. Alors, on va dire revers pointu arrondi, tranchant tribal. On va faire une arme de pugilat. Allez hop, on va changer. Une arme de pugilat. Façon. Façon, je sais pas. On va voir. Quoique. Je fais des traits vraiment rapides histoire de visualiser un petit peu. Vous allez peut-être rien comprendre à mon croquis, ce qui est parfaitement normal. Mais. Non. Ça ne va pas du tout. Hop. Ce n'est pas du tout bon, et je suis en train plus de me rendre compte que je m'inspire d'une arme de pugilat d'en haut. Je viens juste de la voir. Non, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? On peut faire. Comment faire la lame? C'est une bonne question. Ouais. Par contre, je suis en train de partir un peu en live sur l'écriture. Hop là. Je sais même pas dans quel sens est l'arme. Hein. Franchement, là, j'y vais vraiment en live. Hein. Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Hop là, voilà. Dragon, ça va pas avec le lore de PA. Ah, pourquoi? Ils aiment pas les dragons? C'est trop gros, trop puissant. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est trop gros, trop puissant.
C'est vrai que d'un côté, s'il a fait du corbeau, l'autre, c'est peut-être plus corbeau. Mais si on partait plus côté crâne. Non, pas crâne. Pourquoi pas crâne? Bah parce qu'il faut penser aux Chinois. Voilà. On va éviter les crânes. Sinon, ce qu'on peut faire. Je pars dans un petit délire sympa. Je suis en train de penser à des armes comment il s'appelle? J'ai des trous de mémoire en ce moment. De Terror Blade, mais. Non, ça fait. Je suis en train de faire une arme pour Terror Blade, c'est pas possible. Ça va pas du tout. Alors. Allez, pourquoi pas. Ressort un petit croquis au cas où. Allez, on va voir ton croquis. Ah, alors. Petit croquis en effet, mais j'arrive à voir un peu ton idée. Enfin, j'espère la voir comme toi tu la vois. Ton idée qui peut être. Pardon. Qui peut être très sympa. Faut voir un petit peu. Alors. Pourquoi pas? Mais je trouve que l'arrière est trop travaillé par rapport à l'avant. Elle tape vraiment avec l'avant de son arme, ce qui est un petit peu dommage. Mais ouais, c'est l'idée un petit peu elle, quoi, ou ce genre de choses. Sinon. Ouais, le corbeau était bien, mais je vais pas copier l'autre. Hein. Ça surtout pas. Non, ça c'est. Pardon. Ça c'est déjà fait. Une sorte de lame continue avec des dents ajoutées dessus. Ça me dit quelque chose, mais je suis sûre que je vais faire un truc qui existe déjà. Je crois que c'était pour Slark, il me semble. Quelque chose comme ceci, où il y a la lame. Enfin, moi ça me fait penser à ça. Un truc comme ça. Là-haut il y a le manche. Hop, tac tac tac. Mais non, ça fait. Je sais que Slark il a été proposé une comme ça. Mais on peut retravailler ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rester un petit peu sur le système de couches encore. Je vais replacer mon manche. Le manche, on peut le changer, mais ce qui est bien, bah, c'est de savoir où est-ce qu'il est le manche. Comme ça, on peut le placer par rapport à la main du perso. C'est très intéressant. Hop. Pourquoi je fais un arrondi là? Il sert à rien. Alors, ce qu'on peut faire. On peut faire une espèce de. Ah, attends, c'est pas mal ça. Une espèce de cisaille. Enfin, pas une cisaille, mais. Un truc sympa comme ça. Ah non, là, ça fait crochet de pudge. C'est pas cool. Allez, on change. Ah, c'est énormément de temps les croquis, hein, ça. Je m'y attendais qu'on allait passer l'heure là-dessus. Hein. Faut vraiment être décidé et savoir à quoi s'attendre, quoi. Genre ça peut être sympa. Pour le moment, ça fait crochet pote parce que y a pas le reste, mais vous en faites pas. Je suis en train de faire du méli-mélo de lame, c'est magnifique. Non, allez, non. Attends. Forme d'aile de chauve-souris. C'est vrai que ça fait un peu. Pourquoi pas aile de chauve-souris? Ah, tac tac tac, qu'est-ce que c'est que ça? J'aime bien. J'aime bien, bon, il y a un crâne, faut l'enlever, faut le changer avec autre chose. Mais la lame est dentée sur le dessus. Ça, j'aime bien. Enfin, dentelée plutôt. Sur le dessus.
Pourquoi pas? Ouais, c'est le trou au milieu, après ça bouffe un peu, ça bouffe pas mal de polygones, ça c'est sûr. Mais si on excusez-moi, si on travaille pas trop l'arrière, ça devrait bien passer. Ça me fait une petite idée. Allez, zou, on est reparti. Alors, hop. Un truc comme ça. On va faire système de couches plus tard. Ça, pourquoi pas, je rajoute. Je sais même pas pourquoi, mais je rajoute. Je sais pas, ça me plaît. Hop. Truc comme ça. Oh zut, j'arrive pas à voir l'angle. L'angle avec la main que je veux. Voilà. Hop. Tac. Manche un petit peu épais. Hop. Tac. Tac. Je vais regarder vite fait, histoire que ça me revienne et l'idée. Ok. C'était plus. Ok, celle-là au final elle me gêne. Ça fait un peu étoile de ninja alors. Bon, c'est pas un problème, et c'est surtout là-bas derrière que je voulais y travailler. En reprenant un petit peu l'idée, elle, derrière. Ça peut faire un truc. Oh purée, j'ai oublié le manche au milieu, tiens. C'est la fatigue, ça. Alors. On reprend petit peu comme ça. Petit peu, voilà, style d'aile derrière, pourquoi pas. On va faire du très vite croquis pendant encore allez, 10 minutes. Et puis après, je vais laisser la main à YouYou. Très vite croquis, histoire de voir un petit peu qu'est-ce que vous préférez dans du croquis vite fait, bien fait. Savoir si je les travaille plus ou pas pour la prochaine fois ou ce genre de choses. Alors dites ce que vous aimez, dites ce que vous aimez pas dans le 1, le 2, lui c'est non, c'est pas le 3, lui c'est le 4. Donc le 4, je vais le réduire un petit peu. Oh là, il y a un petit bug de tablette, voilà. Le calque, je vais le réduire un petit peu en taille. Je vous le mets ici. J'ai plus beaucoup de place. Hein. Hop, on en refait. Allez, une petite inspiration là, rapidos. C'était, ouais, une comme ça. Allez, on va essayer de voir pour une comme ça. Alors, hop. Crochet, crochet. Allez, du crochet. Ah, ça c'est pas mal, ça, je suis en train de partir sur un truc. Hop. Et hop. Ce qui fait que. Non, j'aurais peut-être pas dû effacer ça comme ça. Un petit côté sympa ici et là. Ah, poignée dragon, ouais, ça j'aime bien. Et la forme de la main, mais bon, la forme de la main, on va éviter, ça bouffe pas mal de poly pour pas voir grand chose au final, étant donné que elle a la main devant. Et oui, forcément. Hop là. Manche ici. Hop. Donc ça c'est le 5, hein. Hop là. Donc le manche ici, je sais pas qu'est-ce que je voulais faire ici au final, j'ai enlevé un truc et au final je l'ai pas remis. Ah c'est ça que je voulais faire, voilà. Je voulais faire une lame qui en couche. Voilà,
qui passe par-dessus. Le reste, voilà, ça j'en vais. Qui passe par-dessus là. Et qui repasse, hop là. Qui revient ici. Alors, je sais pas du tout comment je vais faire ça en 3D, mais pourquoi pas. Hein, allez, pourquoi pas. On va se donner un défi. Mais alors là, pour être du gros défi, c'est du gros défi. Hein. Ça, je peux vous dire. Dire une espèce de patte de dragon difforme. Enfin, patte de bestiole difforme, plutôt. Parce que là, on peut pas vraiment reconnaître que c'est du dragon. Hop, hop. Hop, why not? Hein, pourquoi pas? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime plutôt bien. Ah, il y a un petit trait là-bas qui embête. Hop, voilà. Ah, j'aime bien celle-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Peut-être que vous arrivez peut-être pas trop non plus à vous projeter comment est l'arme. Je vais mettre un petit peu de couleur très très vite. Mais alors quand je dis très vite, c'est vraiment très très vite. Hop. Alors, par exemple, les couleurs, on les met le plus bas possible. On reprend très vite fait les couleurs de l'arme de base. Alors, je fais ma petite tablette. Palette plutôt de couleurs. Ah, j'arrive pas à le choper. Voilà. Hop, on enlève ça. Donc, ce serait la lame ici en bleuté. Bon, bleu, après je repasse en plus clair, hein, bien sûr. Je vais dépasser un peu, mais on va essayer de gagner un peu de temps. On va pas faire la... On va pas chipoter pour parce que j'ai dépassé. Hein. Hop. Là, pourquoi pas encore de la lame ici, tiens. Voilà, c'est la lame qui rentre dans l'autre. C'est pas con, ça. Pareil ici, lame. Hop. Ici, c'est une lame. Pareil pour là. On va faire le petit liseré tranchant, mais alors très rapide. Allez, donnez-moi votre avis, hein. Allez-y, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous aimez dans le 4, qu'est-ce que vous aimez dans le 5, etc., etc. Tout. Vous me dites tout. Et je fais un gros tri à la fin. Et puis comme ça, je vois en même temps, quand j'ai un peu de temps, je regarde qu'est-ce que je peux retravailler, etc., etc. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le manche. Moi personnellement j'aime bien la 5. Je trouve qu'elle est pas mal. La 4 moins, j'accroche moins. Et la 2 j'aime bien aussi la partie haute. Moins la partie basse, mais la partie haute est pas mal. Voilà. Donc là, c'est marron.
Enfin, c'est marron, pardon, c'est gris. Et là, c'est cette couleur-là. J'ai oublié les trucs là. Et si jamais j'ai des nouveaux croquis, des nouvelles idées avant le stream, histoire qu'on passe pas encore un stream, même la moitié du stream, ne serait-ce sur du croquis d'armes, peut-être que ça intéresse pas non plus tout le monde. Voilà, je vais essayer d'en poster, pardon, d'en poster sur Twitter si je fais d'autres croquis, pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Et j'ai pas sauvegardé, c'est pas bien. Depuis le début, j'ai pas sauvegardé. C'était magnifique. Alors, qu'est-ce que ça passe? Voyons voir vite fait. Alors, elle est bonne. Elle a, oh, il y a de bonnes idées dans celle-là. Moi, j'adore la 5. Une forme en forme de tonfa avec une lame, mais en beaucoup plus grand. Mm-hmm. Tonfa, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si t'as fait. Une erreur ou si c'est vraiment quelque chose, mais je connais pas. Ok, pour faire oui, quand le raccourci que j'utilise pour utiliser la pipette, c'est Alt. Je l'ai configuré sur ma tablette sur un bouton, mais de base, c'est Alt. Lame stylée doit être simple, mais changer un truc, effet de lumière dans le motif. Alors l'effet de lumière sur les comme sur l'arme de titan là, les effets d'espèce de plasma ou quoi que ce soit, moi je peux pas y rajouter, hein. Ça c'est sur le personnage de base, le modèle du personnage de base, et celui-là n'a pas d'effet comme ça, n'a même pas du tout d'effet, donc je peux pas faire quoi que ce soit. Donc il y a pas mal de votes pour la 2, la 2 a avec de plus belles courbes, pourquoi pas. Dites-vous que la 2, elle a pas tant de courbes parce qu'elle est complexe, hein, au niveau de la partie haute, étant donné qu'elle sera doublée. Voilà, c'est un petit peu le souci. J'aime bien la 5. La 2 rappelle trop une autre arme. Bah, je pense que ça rappelle l'espèce de crochet que nous avait fait le croquis aussi de... Je sais plus comment il s'appelle, hein, je suis désolée. Mais il y a une personne qui nous avait fait un croquis et ça y ressemblait pas mal. Le point vert fait penser à Naï. Ouais, non, mais faut pas prendre le point vert en compte, hein, je vous rassure. 4 trop courtes, ouais, ça c'est sûr. Déséquilibrées, 2 plus homogènes, faudra revoir peut-être le bas. 5 c'est parfait. Ok, bah... Moi, je préfère la 5, personnellement. La 2 est très intéressante aussi, hein. J'hésite vraiment entre les deux. Faut les retravailler et tout. Donc, bon, ce qu'on va faire, c'est que... Là, on est arrivé à la fin de l'émission. Mais je vais continuer... Dès que j'ai des petits moments, je continuerai à retravailler un petit peu la 5 et la 2. Essayer de départager un petit peu qu'est-ce qui va voter ou quoi. Et si j'y parviens, je mettrai un petit sondage sur le Twitter avec une image avec plusieurs propositions, et puis on fait un sondage tous ensemble, qu'est-ce que vous aimez, laquelle vous préférez. Voilà. J'essaie de mettre à jour régulièrement. Voilà, il y a encore quelques propositions, pourquoi pas. Elle est sympa celle-là. J'aime bien aussi. Enfin voilà. Voilà, un strapole pour l'émission, voilà, histoire de départager les deux. Mais je vais les retravailler entre temps, je vais aussi regarder un petit peu plus profondément qu'est-ce qui ressemble trop à quoi, et faire un départage dessus. Voilà, donc je garde en compte la 4, la 2 et la 5. Et je vais essayer de mettre à jour des modifications, des petits croquis et tout sur le Twitter, histoire qu'on fasse un petit strapole et puis qu'on voie laquelle on valide pour le prochain stream. Partagez vite le lien dès qu'il y aura le strapole pour qu'on puisse savoir
laquelle on va faire. Et on commencera sans doute la modélisation, à moins qu'il y ait pas mal de bonnes idées ou de petits changements qu'on puisse faire par rapport aux croquis que j'aurais fait. On les fera avant de commencer l'arme. Voilà. Dans tous les cas, sachez une chose, c'est le plus important sur l'arme, c'est pas les petits détails comme ceci, hein, ou comme ceci. Le plus important, c'est la forme globale de l'arme pour ensuite la créer dans ZBrush. Après, dans ZBrush, on pourra rajouter nous-mêmes les petits détails si on a envie. Voilà. Donc, je pense que tout le monde est bon. Est-ce que je peux montrer ma tablette à la cam? Bon, bah, je vais vite fait montrer ma tablette à la caméra. Attendez, je vais quand même mettre la caméra en visu, histoire que je la vois aussi, parce que... Voilà, pas que je me rate. Donc, voilà, ça, c'est ma tablette, hein, sur laquelle je dessine tout. Et le petit stylet qui va avec deux petits boutons sur le côté. Et même la gomme qui est de l'autre côté. Voilà. Si jamais. Donc, bah merci à tous pour votre présence ce soir, pour les votes, pour le partage, pour les idées, les liens, etc. C'était super. Et bah j'espère vous revoir au prochain épisode. Je poste la VO, enfin j'uploade plutôt la VOD au plus vite pour l'envoyer à Lucia. Bah c'était super en tout cas. Et bah j'espère franchement que ça ira, ça, on fera cette arme très facilement et très rapidement. Et puis sans doute, et j'espère aussi de meilleure qualité que Elder Titan. Elder Titan, je vais voir un petit peu si on va la continuer ou pas. Au pire, je la garderai un petit peu de côté, puis on va peut-être pour faire un set ou ce genre de choses. On verra tout ça ensemble. Enfin voilà. Donc j'attends que Yu Yu soit prêt, mais il me parle pas. Alors je pars pas maintenant. Il faut, enfin voilà, sinon continuez à si vous avez vraiment envie de partager les liens des objets du workshop, ce serait super qu'on puisse avoir encore des vues et de la publication. Je vous informe dès que j'ai des nouvelles des sets, hein, bien sûr. Je vous avais dit un petit peu là par rapport à Shadow Demon et Witch. Et comme ça, on peut. Vous saurez si c'est accepté, si c'est pas accepté, etc. Normal, je vous tiens au courant. Enfin voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. On est parti. C'est YuYu qui prend le relais. Donc, je vous dis à très très bientôt.